Plus jeune, j'ai travaillé 2 ans comme cuisinière. Mais vous savez ce que c'est, je me suis mariée, j'ai eu mon garçon, mon mari avait une bonne job. La mort de mon mari, mon fils, ils m'ont hébergé. Puis en échange, je m'occupais des enfants. Enfin, en tout cas, là, il y a eu des tensions. Il faut dire que je suis un petit peu dans l'une. Mais pas dans une cuisine, par exemple. Et là, je suis à mon affaire, puis ça, il va parler. Fait que là, Julie, la femme de mon fils, a trouvé que c'était peut-être mieux que je parte. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je me trouve une petite job pour pouvoir me payer un loyer. Oh, c'est sûr que j'aurais pas eu ça rester là. Mais bon, on choisit pas tout le temps qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, hein? Non. On choisit pas toujours. Mathis, il a reçu un fusil à l'eau. Il a essayé de l'ouvrir tout seul, puis s'est coupé. Ben après, j'ai essayé de l'ouvrir, me suis coupé. Et là, fallait des batteries. Essaye d'ouvrir la petite porte pour mettre les batteries. Passe tout droit avec le petit motadine de tournevis. Fini par trouver les batteries. Mais pas capable de prendre les batteries. Ben là, les batteries ont pris le bord, puis moi aussi. Quand j'étais jeune, moi, on n'utilisait pas ça, nous autres, des sacs Ziploc. Non, on utilisait des sacs à pain vides. La carcasse d'un poulet, ça devenait du bouillon, un plat de crème à glace vide, du rangement, puis une boîte de petites vaches, de la pâte à dents. Toutes des bonnes idées. Hey, tu me montreras pas comment tenir maison, mon petit garçon. Tu sais. Ah, oh ben, là, si vous pensez que j'ai fait mal au petit. Pas vous. Mais pourquoi ses parents sont pas ici? Ils sont en voyage de couple, puis on les dérange pas. Votre histoire colle pas, Mme Penneau. C'est impossible de s'infliger des blessures comme ça soi-même. Oh, mais vous me connaissez mal. Je suis très, très capable. Regardez. Ouch! Vous voyez? Ouch! Ouch! Hein? Oh, non, 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 non. Salut! Ah! Oh! Non, Serge, je vais chanter. Oui, oui, je vais prendre du plaisir pour aller vous. Ça pourrait être dans l'une. Et l'autre jour, j'ai mis mon dentier dans le lave-vaisselle. Je l'avais oublié dans le vent. Je vais pas d'avoir mauvaise haleine. Il y a pas moyen que je reste chez vous encore un petit brin? Estelle, vous pouvez pas passer votre vie à dépendre de quelqu'un d'autre. Prenez-vous en main. Je le sais que Julie a des problèmes avec son entreprise. Mais là, j'ai eu des bonnes nouvelles. Non, Estelle, non. C'est pas ça. Ton fils est gay. Hein? Non? Allô? Ça va bien? Je dérange? Dormais-tu? Je peux venir. Fais beau, hein?